Salut tout le monde, vous êtes aujourd'hui en ligne avec Blast. Dans le fond, aujourd'hui, pour ma deuxième. Dans le fond, pour une de mes vidéos tutoriel, ce que je vais faire, dans le fond, je vais vous présenter comment faire une parcelle. Comment faire une belle maison sur une parcelle avec. Bien sûr. Excusez-moi, je vais juste créer le monde. Comment faire une maison. Dans une parcelle sur un serveur Minecraft semi-RP 10 par 10 par 10 dans le fond une maison avec des circuits redstone puis un avertisseur si vous êtes là ou non. Alors, je vais juste attendre que le terrain se construise. Bon, parfait. Alors, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin, pardon, de planches de chêne, planches de bouleau, bûches de chêne, bûches de pin. Des escaliers en bois de chêne, absolument. Et puis, de la vitre. Dans le fond, on va commencer. Là, je vais juste délimiter le terrain. Je vais vous faire un petit exemple, dans le fond. Désolé, je suis pas préparé. Dans le fond, j'ai promis de faire une vidéo sur un terrain, un tutoriel comme ça. Puis, ben, je l'ai fait sur un coup de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, 1, 2, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voilà. Bon, ici, vous avez votre parcelle, vous avez votre pancarte. Dans le fond, mettons, sell, mettons le nom de la région. Terrain 1, le prix, mettons 2 500 $, puis ensuite 10, 10, 10. Bon, voilà, ça va vous faire ça. Là, ensuite, c'est simple, vous faites clic droit dessus, ça va vous téléporter en plein milieu. Ensuite, vous retournez voir le panneau, ça va être marqué Sold, puis votre nom. Ensuite, ça c'est votre parcelle, vous pouvez pas construire. Plus que. Oups, désolé, ma parcelle est quand même un peu tout croche. Ça, c'est correct. Celle-là qui est tout croche. Faut comme ça, là, c'est droit. Ouais, comme ça, là, c'est droit. Donc, vous allez une parcelle 10 par 10 et 10 de hauteur. Moi, je vous déconseille de faire une maison de 10 de hauteur parce que c'est déjà trop. C'est trop gros pour rien. Puis c'est pas beau. Fait qu'on va commencer dans le fond les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Moi, j'en mets que 4 de hauteur. Ça, vous allez voir, ça donne. C'est très joli à la fin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Il ne reste plus que lui. Bon, ensuite, vous décidez de vous mettre la porte. Moi, dans le fond, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre une ici. Juste une, dans le fond, une porte redstone. Vous mettez votre porte tout de suite. Ensuite, les bûches comme ça, en bois de pin. Le contour. Partout à terre. Comme ceci. Et voilà. Puis ensuite, dans le fond, vous mettez planche de bouleau. Comme ça, une, deux. Une, deux. Une, deux. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Correct. Deux. Puis ici, dans le fond, vous faites. Comme ceci. Ça va être le toit, donc ouais, comme ça. Puis ensuite, vous remettez des blocs. Vous pouvez soit les faire comme ça ou 4 de haut. J'en fais juste comme ça dans le fond, parce que trop haut, ça sert à rien.
Et voilà. Sud, ben c'est sûr que tu bloques la porte. Là, il y a de quoi. Ok, c'est ça, ça les trous. Comme ceci. Vous voyez, ça prend forme peu à peu, là. Ça marchera pas en avant. Je suis vraiment désolé. C'est comme ceci. Ouais, c'est ça, comme ceci. Puis ensuite, dans le fond, vous mettez. Vous faites le toit en escalier de bois de chêne. C'est sûr que si vous avez accès à WorldGuard puis WorldEdit, ça va vous être utile pour la décoration intérieure. Parce que, dans le fond. Moi, il faut que je le fasse un bloc par bloc parce que j'ai été en solo, j'écris mon monde. Mais sinon, je l'aurais bien fait sur mon serveur, ben, sur un de mes deux serveurs. Mais mes serveurs ont comme des défauts, puis je suis comme pas capable d'arranger. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui a hacké mon serveur, qui a détruit toute la map. Écoutez, c'est un de mes amis qui m'a vendu son serveur tout configuré, j'étais super content. Et puis j'arrive un beau jour, il n'y a plus de map, tout est détruit, c'est rasé. Tout a été détruit avec WorldEdit. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'avais tellement de plaisir sur ce serveur. Comme ça, comme ça. Comme ça. Donc, dans le fond, bah regardez bien. Moi, je vais vous faire une affaire. Je vais continuer le toit. Faites comme ceci. Une, deux, trois étages de haut. Puis je vous reviens très bientôt. Bon, je suis de retour. Comme je l'ai dit, vous en faites une, deux, trois de haut. Puis, dans le fond, vous bouchez le trou. Parce que si vous bouchez pas le trou, en gros, ça va. Ben. Ça va faire les. C'est le but d'un toit, c'est. De faire un toit, c'est de bloquer les trous. Ensuite, et voilà, vous voyez déjà, ça commence à prendre forme, pareil. Une petite maison avec beaucoup de contraste, foncé, pâle, un peu moins pâle, mais pâle quand même. Ensuite, par ici, ben là, vous avez le choix. Soit que vous laissez ça comme ça, puis vous mettez des pierres lumineuses ici, dans le fond. Ou moi, ce que je fais, dans le fond, je le bouche, tout simplement. Ça m'énerve moins. En passant, cette technique-là, c'est une de mes techniques que je me suis inventée. Ça va beaucoup plus vite. Regardez. Et voilà. Déjà la moitié de fait. Et c'est terminé, le trou est bouché. Bon, vous voyez, une belle petite maison. Maintenant, vous attaquez aux fenêtres. Pour ceux qui veulent vraiment, ben, je vais vous donner un truc aussi de décoration. Dans le fond, mettre des bûches. Ça fait aussi chic. Comme ça. Oh merde. Et voilà. Puis, dans le fond. Simplement mettre une bûche ou deux. Comme ceci. Mais on va les mettre d'une autre couleur, par exemple. Donc plus pâle. Ça fait dessus. Ouais, ça fait. Donc, dans le fond, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Moi, je vous montre juste une de mes maisons vite faite, que j'aime beaucoup faire en serveur. Puis que je me fais souvent complimenter. Hey, c'est bien beau, puis tout. Bon. Maintenant, la base de votre maison est faite. Moins de 10 de haut. Vous avez respecté les règles. Vous n'avez pas dépassé jusqu'ici, c'est très bien. Bon, ensuite, on passe au circuit Redstone qui va se trouver maintenant. Dans le fond, on va juste. Ok, ça c'est pas bon. Désolé, regarde-moi ça, man. Poc, poc, poc. Fini. Bon, ensuite, vous allez dans Redstone. Ben, dans le fond, ce qu'il vous faut pour votre lumière. De la redstone, lampe de redstone, levier, puits et répéteur. C'est tout ce qu'il vous faut. Ensuite, vous creusez 3 de creux.
Deux de cruche, désolé. Deux. Comme ceci. Dans le fond, j'ai découvert que la lampe de redstone illumine mieux quand ils sont en diagonale. Alors, vous mettez un bloc comme ceci. Vous mettez la lampe de redstone comme ceci. Puis la redstone par terre. Bon. Un répéteur quelque part. Mettons ici. Puis, tu mets ton levier ici. Moi aussi, ce que j'aime faire, je remplace ce bloc-là par. Ben, dans le fond, pour l'avertisseur que t'es là, tu fais ça comme ça, puis tu prends la terre, et puis, pouf, comme ceci. En passant pour mettre de la terre par-dessus, vous faites Shift. Ben, en fait, on mettra pas de la terre. Dans le fond, tant qu'à mettre ça cute, on va mettre ça cute comme du monde. Vous mettez des bûches pour pas que ça soit tout croche comme ça. Pas obligé d'accéder sur le redstone, mais là-dessus, vous faites Shift, dans le fond, pour se pencher, là. C'est comme ça. Puis, oups. Vous faites clic droit dans le fond pour poser le bloc. Ça va le mettre automatique. Sans qu'il n'y ait rien de brisé. Ben, sans que tu accroches le répéteur pour que ça retarde un peu. Et voilà, faites ça tout le long dans le fond de la maison. Juste mettre le jour. Voilà. Et voilà, ensuite on va se dépêcher. Merde, ça va pas marcher. Et voilà comme ça. Qu'est-ce qui arrive quand tu cliques là-dessus? Oh, il y a un petit bug. Je suis désolé. Ça va se marcher comme ça? Non. Bon, ok, ce qu'on va faire. Désolé, je suis pas si bon que ça en redstone. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le levier par terre. Et voilà. En fait, c'est supposé fonctionner. Et voilà, ça sera comme ceci. Ma maman vient d'arriver. Bon, comme ceci. Et voilà, dans le fond, on va mettre un panneau aussi en avant. Panneau. Puis vous marquez un message, mettons. Allumé est égal. Je suis là. Fermé est égal. Fermé est égal. Repasse plus tard. Alors, quand on met la nuit. Et voici votre maison moderne, dans le fond. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez de la lumière à l'intérieur. Et puis, allumé, je suis là. Fermé, repassé plus tard. Fait que vous étiez aujourd'hui en ligne avec Blast, dans le fond, pour une de ses vidéos tutoriels sur comment faire une maison dans un serveur semi-RP. Pour ceux qui ne savent pas, mes vidéos, dans le fond, à chaque vidéo que je fais, vous courez en votant, en commentant, puis en vous abonnant. Vous courez la chance de faire, dans le fond, ben, vous courez la chance de faire des vidéos tutoriels avec moi. Des émissions comme ma série Craft Island, que j'ai commencé v'là peu. En passant pour la série Craft Island, c'est seulement du streaming live, qui est reprogrammé sur YouTube. Et puis, sinon, c'est cela. Alors, moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou un bon matin, ou une bonne après-midi, ou en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, tiens. Alors, salut tout le monde, à la prochaine.